Bonjour à tous et bienvenue sur Info Express, la chaîne où nous décryptons ensemble l'actualité internationale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc est menacée. Pourquoi ? Qui sont les principaux concernés ? Et quelles pourraient être les conséquences ? Restez avec nous pour tout savoir. La CAN 2025, prévue au Maroc, est actuellement sous la menace d'un boycott. Certains joueurs et sélections nationales envisagent de ne pas y participer. Pourquoi une telle situation ? Eh bien, tout tourne autour du calendrier. La CAN 2025 coïncide avec les dernières journées de la phase aller de la plupart des championnats nationaux. Cela impose aux joueurs africains un enchaînement intense de compétitions. Imaginez un joueur africain qui enchaîne les matchs de championnat, les coupes nationales, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et les compétitions européennes avec son club. Un tel rythme, pouvant atteindre plus de 60 matchs par saison, pose de sérieux risques pour leur santé. Risques de blessures, épuisement et performances en chute libre. C'est une réalité inquiétante. Face à cette situation, plusieurs observateurs appellent déjà à reprogrammer le tournoi. Certains suggèrent de le décaler à l'été 2025, ou au début de 2026. Cette solution permettrait aux joueurs de se reposer et de récupérer avant de retrouver leur club respectif. Une CAN sans les stars africaines perdrait beaucoup de son attrait et de son prestige. Le Maroc, pays hôte, risque de voir son tournoi moins attractif. La Confédération africaine de football pourrait aussi en pâtir, avec un impact négatif sur l'image et la qualité du football africain. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.